Bonjour à tous. Voilà, je viens de me réveiller tranquillement. Je vais déjeuner, je vais me préparer et nous allons prendre la route direction Saint-Étienne pour les championnats de France d'athlétisme et sport. Et je vais essayer de vous faire partager ce petit week-end en une petite vidéo. Voilà, profitez bien, bonne vidéo. La petite pause déj, qu'est-ce que t'as pris? Alors moi j'ai pris un petit classique avec une coupelle de crème et perrier citron. Et toi t'as pris quoi? Un petit poké au saumon avec une perrier citron et du fromage blanc. Avec des fraises. Bon appétit. Bon appétit. Du coup, Chris, qu'est-ce qu'on fait ici? Du coup, après la route, on est venu voir faire un repérage au niveau du stade, récupérer le dossard, le petit kit de bienvenue. Et puis bah, là, on est parti pour faire une activation d'avant-veille. Du coup, je vais faire un petit footing et un peu d'éducatif pour délier les jambes et régénérer un peu les muscles. Et puis, on peut constater également que le temps est avec nous. Hein, oui, là, le bien. J'espère que demain ne pleuvra pas comme ça. Ça ne sera pas trop cool pour la longueur, mais on verra bien. À suivre. Allez. Bah voilà, nous sommes samedi, c'est le jour J. Je viens de me réveiller et là on va passer au petit déjeuner avant d'aller sur le lieu de la compétition. Du coup, Chris, là on est samedi et on se rend où? On se rend au stade, là, on est à 1h30 avant le début de l'épreuve. Comment tu te sens? Oh bah, j'ai la force. En plus, on est venu en tram, on a visité Saint-Étienne. Ah ouais. Allez, c'est parti. D'avoir ma start list pour la série du 100 mètres. Je suis série 4, couloir 4, et je passe à 11h38. Donc voilà, je suis arrivé, je me suis changé, et là je vais passer à l'échauffement une heure avant. Donc il est 10h10 et je dois rentrer en chambre d'appel à 11h10. Donc voilà, allez, c'est parti. C'est parti pour cette quatrième série Benoît. Et c'est parti très fort, pleine piste, avec Christian Lacointe. 100 mètres finis, Chris. Quel est ton ressenti après cette course?
à mon corps, je fais ça de 0 à 24. Je reste dans les starts malheureusement. Et je vais pas en finale pour 0,04. Donc un peu bon. Dessus, mais c'est bien, ça me préserve pour la longueur, passe à la longueur dans une arrivée. Point positif, c'est que tu as battu ton record. Encore. Voilà, on est à la longueur. Trois sautoirs qui... En même temps, c'est une belle réussite. Trois sautoirs sur un tas d'athlétisme. Est-ce que l'athlétisme paralympique ouvre certaines épreuves aux sportives du sport à l'air pétra à l'ensemble des régions qui désirent de monter des équipes et de... marquer des points pour décrocher le trophée de la Coupe des Régions. Le concours est fini, j'attends les résultats. C'est un concours très moyen, un peu déçu de ma prestation. Là, je suis encore à chaud, donc à voir par la suite. Mais je fais mon premier essai à 5m30, après je me précipite, je suis en dessous de 5m. Après, je fais 5m26 au bout du troisième essai. Je ne sais pas si je suis qualifié au moment-là en finale. Par chance, je suis le dernier repêché. Puis après, je fais 5m10, 5m11. Il y a du vent qui tourne, mais c'est pas une raison. Je suis lent dans mon saut en faisant le ciseau. Donc voilà. Et puis arrive le sixième essai, comme à chaque fois. Je suis l'homme du dernier essai et je fais 5m50. 51, je crois. Et ce qui est un bon saut en soi. Mais j'avais plus de 2 dans la face. Ça me donne envie de ressauter, à voir maintenant le classement. Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier ma copine qui a fait ce montage vidéo et qui m'a suivi tout le long du week-end. Je tiens à remercier mon coach qui me suit au quotidien et qui a beaucoup de patience. Et je vous remercie vous qui me suivez sur tous les réseaux sociaux et qui me donnent des ondes positives. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao !